2-0-0 en espérant que ça va, que les choses se passent. Quelle honte. Mais quelle honte. Quelle honte. En fait, je crois que vous êtes des hyènes. Les gens, vous êtes des hyènes. Tout ce qui est musulman, vous leur tombez dessus. J'aimerais revenir sur la polémique qu'il y a avec Franck Ribéry, le frère Bilal, je devrais dire, qui a mangé une escalope recouverte de paille d'or. Et ouais, évidemment. Alors, il a fallu qu'il n'y en a qu'une dans le PAF, paysage audiovisuel français, qui ouvre sa gueule. Comme par hasard, c'est une bounty de merde. Ouais, vous les connaissez, les bounty de merde. Ceux qui pensent qu'ils sont plus blancs que le blanc. Hein. Et ils sont là, ils écartent leur cul. Mademoiselle Audrey Pulvar, c'est ça? Ina Boueldic, Audrey Sboubi, t'es là en train de dire, oui, il y a des gens qui sont dans le besoin, mais au lieu de jeter l'argent par les fenêtres, mais c'est ton argent. Est-ce que ça te regarde? Est-ce que ça te regarde, Ribéry? Il te faudra 40 vies Pulvar pour faire les mêmes dons que Ribéry et sa femme, ils ont fait. Wallahi, c'est incroyable. C'est incroyable, ce pays. C'est incroyable, cette mentalité de rageux, de français que les gens ont. Oui, bien sûr, alors quand je dis la France, j'englobe le pays. Je parle pas des Français blancs. Mais c'est incroyable, la tête de ma mère. Incroyable, comment vous avez le seum? Vous avez le seum par rapport à quoi? Vous avez la morse, c'est quoi? Parce que ça vous dérange que c'est un blanc reconverti à l'islam, je crois, c'est ça, hein? Donc c'est pour ça, je pense que vous lui tombez dessus et vous écartez vos cuisses et vous écartez vos gueules pour rien dire. Moi, à mon niveau, tout petit blogueur que je suis, du 6-9-200, je le jure devant Allah, Wahiba Ribéry et Bilal Ribéry m'ont donné à plusieurs reprises pour des quêtes. Et je les ai montrés sur Snap, à plusieurs reprises ils m'ont donné. Parce que ça, c'est des gens qui sont humbles. C'est des gens qui ont de l'humilité. Et c'est des gens que des fois, ils ont envie de se faire plaisir. Et alors, ils ont volé votre argent? L'argent qu'ils ont eu, il a été acquis dignement et il a été acquis dans le halal. Ils l'ont pas volé, l'argent. Il a pas fait comme le mec avec qui tu étais, là. Oui, oui, le ministre blanc, parce que t'es une bounty, avec